10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Sky Wrath Mage. Alliances turn to ban. Fais le mute. Tout le draft. Putain, c'était mute. Nul. Oui, allez, recommence. À allez, zéro. Recommence. À zéro. Intro. À tout de suite. Ah, je l'avais dit que ça allait arriver, c'est terrible. Bienvenue à tous et à toutes pour cette seconde game du BO3 qui va opposer Virtus Pro face à Alliance. 1-0 actuellement pour la line-up russe qui s'en sortit à merveilleusement bien. Actuellement, il ne peut en rester qu'un vu qu'il n'y aura pas de lower bracket. Pas de seconde chance si jamais Alliance venait à perdre cette seconde manche. Ça peut se terminer sur un 2-0. Il reste 2 balles de match. First pick de la part de Alliance qui cette fois-ci vont pouvoir récupérer la Queen of Pain, le Earthshaker qui avait été respect ban à la game précédente. On va donc passer dans les mains de Virtus Pro. On verra si ce sera sur de l'offlane, on verra si ce sera sur du support. Quoi qu'il en soit, il y a un gros burst magique qui est mis en place de la part de Alliance avec de très bons casters et héros qui peuvent faire face au SF. Et en parlant du SF, ce sera un SF d'ailleurs. Mon bon Voja, que peut nous dire sur ces phases de draft et sur les héros qui sont déjà annoncés par les deux équipes? Ouais, alors on est bien deep dans le draft. Alors les bans se ressemblent beaucoup. On retrouve le Wisp, on retrouve le Fion, on retrouve le Leshrac, le visage, donc jusque-là tout va bien. Oh, ce petit centaure qui apparaît là, ça fait longtemps, centaure, quand même, j'ai l'impression. Non, on veut pire, il le pique, fait peur. Ouais, ouais, d'accord, ok. J'ai pas vu assez de VP récemment, alors visiblement. Moi, c'est un héros que je vois très rarement. C'est un héros que je pense qu'il. Moi, je pense qu'il va pas très bien avec comme ça joue actuellement. Mais pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? L'ouverture de draft de Alliance, en tout cas, il est à grand coup de Queen of Pain qui était le ban qui prenait la place du visage tout à l'heure. Donc nous y voilà, Queen of Pain, Scale of Smash, Magnus. Intéressant ce Scale of Smash, pour moi, c'est l'appel, voilà. J'allais dire, c'est l'appel au jungler parce que Queen of Pain, 9 fois sur 10, c'est safe laner. C'est la mode quand même. Depuis le retour de la COP, et COP plus Kairos, c'est une safe lane qu'on a vu des milliers de fois, qui est une safe lane de destruction d'offlaner, de massacre d'offlaner, et du coup tu peux prendre un jungler, mais avec les mains dans les poches, parce qu'il n'y a absolument pas besoin de la présence d'un support supplémentaire sur la safe lane, probablement pas besoin vers le mid aussi. Le seul délire, c'est qu'un Enigma, ça rentabilise tellement bien les bois que tu peux pas vraiment avoir un offlaner que tu rabats dans les bois, donc ça c'est un truc à prendre en compte quand même aussi de ce côté-là. Du côté VP, la prise du Bane, je l'aime bien, parce que tout d'un coup, tu mets une pression de tri aggro. Alors, autant Queen of Pain, Scaloa, c'est super fort pour venir à bout d'un offlaner, typiquement, le centaure solo, c'est quelqu'un qui souffrirait énormément, mais si tu viens avec centaure, Bane, plus, je sais pas, Lina, par exemple, tout d'un coup, ton Queen of Pain, Scaloa, ils font pas les malins. Donc j'aime beaucoup ce dernier pick pour le moment de la part de Virtus Pro. Maintenant, il va falloir un héros qui survit au mid hein, de la part de Alliance. Et on va repartir sur de bonnes bases avec Silencer Illidan. Waouh. Waouh. Donc pas de tri aggro, je pense. Non. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a de la présence hein, en début de partie hein, avec les stunners, que ce soit Earthshaker ou que ce soit Centaure. Enfin, je veux dire, peu importe où est-ce que l'Earthshaker soit sur la map, il peut venir débloquer des kills, que ce soit au bot ou Scaleless Mage, avec une bonne fissure derrière un stun Centaure, un double edge. Au top, face au hardliner, il y a le Bane, il y a le Silencer qui va apporter de dommages, ou même au mid. Hein. C'est là où je me suis dit, justement, est-ce que Alliance n'ont pas intérêt à mettre cette Queen of Pain au mid, juste parce que c'est un héros qui peut survivre, et ça va focus cet Earthshaker à traîner autour du middle pour venir couvrir son SF. Si tu prends là pour répondre au Silencer, il y a Doom, honnêtement, qui me paraît être une bonne idée. Si t'arrives à Doom le Silencer en début de fight. Ah, mais si tu le Doom pas, tu fais quoi? Ouais. C'est le problème. Ouais. Il y a Void que je vois aussi, qui à mon avis est aussi une option tout à fait convenable. Ils ont des sacrément belles combos autour de Void. Hein. Que ce soit le Scarlass, la COP, le Magnus, tout va bien autour d'un Void. Et moi, la grande peur que j'ai pour VP, c'est s'ils font une tri défensive ou que le Shaker traîne autour du mid du smoke, comme tu l'as dit, et qu'ils font une dual safe lane, le Centaure, s'il se retrouve contre Cops, Karas, Mage, mais minute 40, il est level 1. Et tu peux pas aller prendre d'XP.
Son tort contre Cobb Skyras, tu ne prends pas d'XP. C'est pas possible. Bon, ouais, allez, bah, aussi. Ouais, Void. Pour moi, c'est vraiment complètement logique, ce petit Void. Maintenant, on va voir. Ils peuvent le mettre en position 1. Ouais, j'adore ça. Oh, et puis, mettre le Magnus en offlane, j'adore. C'est vraiment la meilleure des solutions. Tu peux pas te reposer sur le RP dans cette game-là. C'est débile de mettre ton Magnus League. Tu ne peux pas. Il y a beaucoup trop de contrôle, que ce soit pré-RP ou post-RP. Ton RP, tu peux te le faire fumer par Global Silence. Et imaginons même, tu bats et tu poses ton RP. Tu prends le Global Silence derrière, il y a zéro follow-up. Donc il faut pas mettre le Magnus en mid. C'est un énorme gâchis. Il va être là comme bot à Empower et comme RP, si possible, il y aura un jour. Tu auras battu Queen of Pain sur le mid et tu balances le Void en position. Hein. J'aime beaucoup cette décision d'ailleurs, vraiment. Mais je pense que même au-delà de la rabat, je pense qu'ils l'avaient prévu dès qu'ils ont vu le Airshaker SF hein, de la part de VP. Hein. T'as très peu de mid qui peuvent survivre face à tant d'agressions qui sont apportées par l'Airshaker en début de partie. Parce que c'est l'instant punition. Hein. Dès qu'il y a une fissure qui est setup, le burst d'à peu près n'importe quel middle permet de récupérer le kill. Il y a peu d'héros qui en survivent, à part les héros à Blink. Maintenant, là où ça va être intéressant à jouer de la part de Alliance, c'est que ils vont pouvoir peut-être affaiblir les outlanes parce que la Shaker va devoir se focus autour du mid et essayer vraiment de débloquer et de protéger son SF, qui d'ailleurs on va essayer de couvrir la bounty en top. Pour l'instant, c'est très intéressant de la part de VP parce qu'ils ne sont pas révélés hein, pour les checks cette bounty rune. Ce qui veut dire qu'ils vont peut-être arriver au dernier moment avec un level 1 qui est pas si mal que ça, il y a du disable, et ça va peut-être freiner simplement le genre de Alliance qui ne vont pas pouvoir s'assurer cette bounty. Ils ont envoyé d'ailleurs page 4 au top, donc ils s'en sortent pas si mal que ça. Les bounty pour les solo mid. On va voir. Coup, qui par contre, ils perdent un point de pression quand même, Alliance, avec leur décision de Void en last. C'est, ils perdent quand même énormément le point de pression sur le Centaure. C'est que là, tout d'un coup, VP il dit « Ah, mais c'est un Void position. Bon, on part avec Pain Centaure en offlane et puis on joue le 2v2. C'est le Silencer va très bien s'en sortir contre le Magnus, il va, ou contre la COP, des ponts qu'ils mettent, et ils vont mettre le Magnus mid et la COP top. Ah, ils jouent vraiment le setup de lane parce qu'ils estiment que, comme tu l'as dit, c'est le mid qui risque d'être plus en danger que l'offlane chez eux, avec le shaker qui peut tourner dans les parages. Oh, enfin, même... ouais. Enfin, grossièrement, en fonction de où est cette COP qui est... C'est en fonction de où est cette COP, c'est là où sera l'île pendant tout le début de partie. Mm-hmm. Maintenant, est-ce que c'était pas plus rentable de la part de Alliance d'envoyer cette COP mid en se disant mais l'Airshaker comme ça il sera loin de son pool, il sera loin de l'XP de la jungle? Parce que là, enfin, est-ce qu'il va pas se repunir sur cette lane? Est-ce qu'il peut maintenir le 1v2? Ouais, moi je pense que oui, honnêtement, à mon avis, il a un très bon moyen de pression là sur la lane. Tant qu'il contrôle où est positionné l'île et tant qu'il fait pas trop l'abruti avec son blink. Je pense qu'il est pas mal. Et au mid, bien évidemment, il y en a un qui va farmer, c'est le SF. Ouais, clairement. C'est vraiment là-dessus que je voulais venir, c'est qu'à mon avis, par contre, il n'y a absolument aucun moyen, avec ce setup de ligne, il n'y a aucun moyen d'aller mettre de la pression sur le SF. Ça, c'est pas possible. Ou t'attends que l'Enigma ait plein de level. Ce qui a moyen que ça arrive, parce que c'est un Enigma qui s'est pas fait bloquer ses bois, c'est un Enigma qui est tranquille dans ses bois. Hein, donc... Il peut avoir un très bon impact, même assez tôt dans la partie. Enigma étant le jungler le plus rapide du jeu, hein, vraiment de très loin. C'est très bateau, hein, ce que nous font la duel lane actuellement de VP au bot. C'est Sleep du Bane, plus Stun Centaure. Et attention quand même au Bane qui traîne un peu. Enigma qui n'a pas pris son stun, qui a préféré prendre son point de minute plus pour aller maximiser son farm en mettant un minute plus ici pour aller casser les arbres et farmer les deux camps en même temps. Ouais, elle est ace la cop, elle cherche le tick. Alors, il faudrait un bon feeling pour savoir où il est. Hein. Ouais, parce qu'il s'est déjà ramené sa bottle. Ouais, il faut taper au moment où il ramène les bottes. Oh, il regarde. Non, elle passe par en bas. Si elle passe par en haut, elle tombe dessus. Well, elle a récupéré son XP, la Queen. Alors, le gros souci pour cette Queen, c'est qu'elle n'a pas le droit de se faire piéger en mode il faut pas utiliser son Shadow Strike lorsque le debuff du Last Ward sera posé, sinon elle va venir se faire silence. Il ne faut pas oublier aussi accessoirement que Bulldog a beau être un joueur fantastique comme on le sait, Bulldog n'est pas un joueur de mid. C'est-à-dire que Bulldog c'est un mec qui est déjà de 1 pas forcément habitué à jouer des 1v1 parce que c'est vraiment l'exemple parfait de l'offlaner du sur mon île déserte, Bulldog.
Et donc, en plus de ça, il est contre God, qui est un des meilleurs mid occidentaux du moment, si ce n'est le meilleur, peut-être. Donc, tu peux pas t'attendre à ce que Bulldog gagne son mid. Déjà, le match-up est pas en sa faveur, et en plus de ça, ce que je viens d'expliquer, le délire du joueur, il peut pas gagner son mid, Bulldog, ça n'arrivera pas. Et pour en venir par rapport à God et ses performances en tant que position 2, c'est aussi l'un des rares solo mid qui à l'heure actuelle fait très peu de rotations. Tu vois, sur la plupart des solo mid occidentaux depuis la 6.83 font tous des rotations entre la position 1 et le solo mid en fonction des héros qui leur sont donnés unco. God, lui, pour le coup, il a que très peu quitté cette lane au mid, ce qui favorise peut-être grandement le contrôle de lane. Alors bon, il n'a pas un héros compliqué à jouer, un Bulldog, hein, c'est au mid. Hein. Je veux dire, par là, c'est Shockwave, into Crobottle, 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 Crobottle. Voilà, exactement. Je pensais que... Oh, et on va partir d'ailleurs sur God, là, il y a le Skywars qui est dans le coin, la Queen of Pain aussi, il va tenter de chercher les Reigns, elle est bien. C'est un excellent kill, ça, pour Alliance. Dommage que Bulldog ne le récupère pas. On l'a offert quand même au support, ce qui reste intéressant. Bon, les trois étaient bons porteurs de First Blood. Parfait, ça, parce qu'ils mettent la cope... en mouvement, et ils mettent la pression là où il faut mettre la pression. C'est vrai que c'est le seul point qui est censé être intouchable du côté VB. Et on va montrer à VB que non, en fait c'est touchable. Mais à contrario, bah, les rotations de la Queen of Pain lui font perdre énormément d'XP, et Lidan va passer 5 avant cette Queen. C'est-à-dire que Bashkat va se faire zoner de manière aisée, tout simplement, de la part de sa Silencer. On va voir quelle va être l'entrée en mid-game de la part de Bashkat. Alors, il va peut-être faire des casualités, mais on montre peut-être des petits nuls talismans par-ci par-là. Il est en plus de sa sabotole. Il va falloir qu'il soit armé, tout simplement. Et il va falloir qu'il aura d'impact parce qu'il peut se faire shutdown. Je suis sûr qu'il ne va pas être tenté de la part de Lille. Il va pas trouver l'angle. Et pendant ce temps, au bot, le Bane a laissé son centaure qui est maintenant level 5. Hein. Il nous fait une belle perf, mine de rien, Phobos. Qui a 15 last hit. Hein. Il est trop bien, même. Yep, carrément, il a plus besoin d'être l'Albane, il a réussi à parler du centaure. De toute façon, Void c'est trop difficile à tuer pour eux. C'est une combo de all-in qu'ils ont suffi qu'il y ait un des spells qui est backtrack, le double edge ou le brain sap, et puis t'as raté ton kill. Donc ça vaut pas la peine qu'il reste là. Puis même, tu te fais counter kill, quoi, c'est un peu ridicule. Ils n'attraperont jamais le Skyros avec la move speed que le héros a, donc il a rien à foutre en bas avec son Bane. Qu'il aille faire des stacks dans les bois, qu'il fasse des trucs du style. T'as vu, lui aussi, il nous fait une build... Alors, l'autre jour, on avait une build un peu exotique de Centaure qui était parti sur full point de Oofstomp avec un seul point de double edge. Lui, il a fait une build un petit peu plus équilibrée. Et j'aime beaucoup cette prise de décision. T'es en mode, le Centaure, c'est un offlaner. Attention, ça part timide. On a mis le RP. Par contre, ça va contrer. Hein. Côté VP, j'ai bien l'impression, avec God. Quelle l'aide de ses alliés. À bon endroit, bon moment. Bon feeling. Hein. Et Bashkat qui va prendre la rune. Il a le blink. Allez, souvenez de ses adversaires. Et très très serein parce que. Ah non, j'allais dire, ils ont même pas utilisé le global. Il n'était pas encore 6, il passe 6 maintenant. Il va permettre de rekiller le matchup. C'est qui a pris le kill? C'est Centaure. Bon, lui qui était déjà bien. Il va se propulser gentiment vers son level 6 en prenant un peu d'XP au mid. Et juste pour revenir rapidement par rapport au Centaure, finalement sur la flame, vous n'avez pas beaucoup de stuff, peut-être un petit peu moins d'XP que les autres corps, donc vous êtes un petit peu plus fragile. À ce moment-là, le double edge, lorsqu'il est maxé, va vous faire pas mal de dégâts. C'est pas si mal que ça, pensez dans ce sens-là. En tout cas, c'est bien encore que les joueurs évoluent, que ce soit sur l'item build, que ce soit sur l'hero pick, ou encore le skill build qu'on peut voir avec le Centaure de Phobos. Ça prouve que le jeu continue à mûrir avec le temps. Je sais pas une game pour quel item build c'est pour ASF là. Si une game à heal, bof. Je suis pas persuadé que ce soit une game à mecha, tu vois. Peut-être Skyros Mage. Ah, il y a beaucoup d'AO, remarque. Ouais, mais parce que je pense qu'en fait s'il meurt, il se fait tuer sur la durée d'un RP. Ouais, c'est ça, avec tous les disables débiles, il aura pas le temps de mettre le mecha. Ouais. Je pense que c'est. Et puis KB First pas non plus. Une game à item de stats. Tu sors un sang, un drum. Allez, on est reparti. Putain, il y a le stampede pour défendre. On n'a pas révélé par contre la smoke de l'Enigma. Il a le black hole. Hein. Fait qu'il mate, c'est envoyé de l'opposer pour assurer le kill sur FNG. Attention à la fissure de Lille qui va être posée. Qui va permettre de protéger son allié. Le bon stomp qui va être posé de la part de Phobos. Oh, d'accord. Allez. Ah, ils ont du répondant VP. Hein. Ils ont du répondant. Ils ont de la bouche. Et il ouvre, et ça permet tout simplement de complètement casser le gang de Alliance. On était 4 sur place d'un côté comme de l'autre, pendant que les carrés continuent de fermer. Stampede, Black Hole et... Oh, mais il est slip. Ok, là-bas. oh, oh,
pas le chercher là. On va l'abandonner. Du coup, c'est quand même Black Hole Global et Stampede utilisé pour 0 kill. T'as rien passé, personne est mort. Tout le monde t'a fait peur. Et en attendant, bah, évidemment, les caries sont en train de se battre en termes de farm. 51 élastiques d'un côté, 55 de l'autre. Ça reste très équilibré. Il n'y a pas de kill d'ailleurs qui ont été apportés pour les deux. Luda, on va voir sur quoi il compte partir, sachant qu'il y a un silencer, sachant qu'il y a un Bane. S'il compte faire BKB, il va prendre du disable, il va se faire silence. S'il compte faire du casual item, on va voir peut-être Midas, peut-être Maelstrom. Pourquoi pas Madness, c'est un bon tool de farm, c'est un bon item pour DPS en teamfight. Je sais pas à quel point est-ce qu'il a accès au bois. Si l'Enigma va continuer à beaucoup faire les bois. Madness, c'est vraiment sympa quand tu peux push ta ligne, activer ton Madness, te barrer dans les bois, clean de spot de bois et revenir sur ta ligne. Ah bon, après sur Void c'est aussi un item de deal hein. Je sais pas si le Maelstrom First c'était pas mieux là. Il vient d'acheter. Qu'est-ce que t'as acheté de beau? T'as acheté un Hammer. Donc je pense que c'est Maelstrom First. Quand t'as pas accès au bois, Madness c'est pas si ouf que ça comme item de farm. C'est pas ultra safe non plus le Madness hein. Tu prends quand même pas mal de dégâts au moment de l'activation. Et il faut dire aussi une chose, il a pris beaucoup de points de bling. Vous pouvez voir Luda avec son fessé Zoid, donc il est là pour backup ses alliés. On arrive gentiment sur la dagger de Bulldog. Gentiment. On a le mecha de l'Enigma qui est terminé. Ça, c'est un peu les premiers items. On a toujours pas pris de direction côté de God. Non, Power Trail Aquila. Ok, d'accord. Rod of Athos annoncé sur Silencer avec le Vitality Booster. Ah, et ça, c'est important pour fucking murder. Et la dagger du Centaure. Non, on est loin de la dagger du Centaure. Voilà. On a sa première rotation en bas qui vient de push. On a un TP défensif. La part du Bane, Lee, il est aussi dans les parages avec son Airshaker qui peut protéger son allié. Et on instant TP au top. Oh, la part de l'Oda, c'est malin ça, pour aller chercher Illidan. Pour l'instant, ouais, c'est pas que... révélé. Ah, ça a été tellement révélé. Non, il a peut-être dû entendre le TP dans le fog. Ah, je pense qu'il a entendu. Est-ce que... Ouais, il l'a peut-être entendu, il a peut-être vu. Ah, il y a parce que c'est comme il manque des arbres là. Il y a un brin de vision, là, je vois. Ouais. Ah, c'est dommage parce qu'il avait eu le bon feeling, hein, Luda, avec son Faceless Void, le Bane qui TP par les défenses de la tower. Qui peut pas backup au top. Oh, ils vont tenter mid, mais. Oh, la chrono. La belle chrono. Par contre, il y a la fissure qui est là. Ah, l'ulti-silencer qui vient. Il va mourir quand même. Non. Non, avec derrière l'Enigma de Fucking Mad qui va poser le mecha. C'est, on va faire du 1 pour 1 pour l'instant. Un carré pour un hardliner. Encore une fois, des cooldowns qui ont été utilisés d'un côté comme de l'autre. Le Black Hole, il était à quelques secondes. Hein. C'est dommage de la part de Fucking Mad. Bah, là, au moins, il va avoir un moment où là, il n'y a pas de global. Et le Bane n'est pas 6. Tu penses qu'il va forcer là, avec son Enigma? Au moins les T1? Écoute, il peut. C'est un délire de... C'est pas comme s'il n'y avait que le global à faire gaffe. Il y a une fissure, il y a le Nightmare, il y a le Fiend Grip, il y a plein de trucs qui peuvent venir emmerder son Black Hole. Mais bon, il a un moment où il a un Black Hole et il n'y a pas de global. Allez, on lui accorde. Et ça a été annoncé mecha sur le CF, je crois, quand même, ouais. Allez, intrusion dans les bois en bas, on smoke, pas de dégâts sur le sauteur. On voit l'Enigma, mais on voit aussi le Void un peu plus bas. Bah, si ça peut pas éclater dans le creux. Tiens, j'ai complètement raté ce qui s'est passé là-bas. Comment, d'où? RP. Quand même le step de Skeleton Mage avec son ulti. Il a des choses hein, quand même pour poser ses dommages sur Skeleton Mage. Il va y avoir de l'impact hein, dans cette game, ok? Il va falloir. Prendre les opportunités, les créer avec son équipe. Et Thibaut, notre admin en chef, qui nous aligne des photos de cosplay. On remercie encore beaucoup pour son travail qu'il a porté sur cette web TV. Bon, VG, il va pas tenter le deny, hein, vous en doutez bien. Il va pas donner son corps à la science. Il cherche un moment pour pouvoir s'en aller. Le moment était maintenant. Il est à un creep du 6. Pas mal, le LC sur un Bane, ça permet de bien débloquer. Il y a une noire très agressive qui a été posée de la part de Hake dans le dos de ses adversaires. Et c'est ce genre de ward qui peut révéler les premières smokes. Hein. On a envie de mettre la chrono, j'ai l'impression, en bas sur le shaker. Oh, l'ulti! L'ulti réflexe de la part de Lille avec derrière l'ulti de FNG qui va être posé pour aller contrer sur l'Oda. Il est bon ce contre-kill hein, de la part de FNG. Mais je pense que tu peux pas être plus réactif putain, que ça. Vache! Tellement de réflexes. Okay.
Ouais, tu ne peux pas être plus réactif. Parce que là, c'est pas l'écoslam pour aller farmer la vague de creep, on est d'accord. Ah hein. Non. Oh la vache. Malheureusement, pas encore assez de points d'aftershock pour vraiment stun le void assez ouais. longtemps pour pas qu'il pose la chrono. C'est quoi, c'est 0,3 au premier level? 0,6. Ouais, c'est court, hein, 0,6 secondes. Essayez vous-même. Et on a le Maelstrom qui vient d'arriver. Ouais. Cette dagger du centaure là, on va y arriver. T'as vu, il a vraiment maxé Houston en fait. Mais moi, honnêtement, j'aime beaucoup. Hein. Vraiment. Mais juste par principe, tu vois, que le mec fait son hipster, ils se disent mais moi, je suis pas comme les autres, tu vois, je vais essayer de tenter quelque chose qui a été complètement l'inverse pendant 2 ans. Je veux dire, tous les centaures jusqu'à présent ont presque monté le double edge et aller plutôt prendre les points d'obstomp un petit peu plus tard. Bon, allez, on va se faire une smoke avec son RP et son Black Hole 2 up, et du coup, ils essayent d'amener la smoke avec comme target le Silencer. Parce que si tu essaies de le faire sur quelqu'un d'autre, tu prends le global et tu rates ton histoire. Oh la smoke. Oh la bête. Oh, le Bane révèle le FNG. Par contre, il est done. Mais ils sont en train de s'embourber, les joueurs de l'Alliance. Ils ont pas de visu. Hein. La seule ward qu'ils ont, elle est là. Hein. Non, même pas, c'est une ward VP, pardon. Qui va venir mettre une ward entre les deux tours. Oh. Oh là, ça sent... Et ça sent le roussi par là-bas. Ok, il voit le SF au Secret Shop. Mec, il se met dans des positions okay, il voit le SF TP. Et l'ulti pour assurer le kill, est-ce qu'il y a du backup qui est en train d'arriver? Oui, il faut bosser dans les parages, il n'y a pas encore dagger. Il va aller chercher Haki, il va se faire silence d'ailleurs de la part de Haki avec derrière le SF. Qui est là aussi, il a le mécan ça sur SF avec l'ulti d'Inima qui peut être setup avec derrière le RP qui va être posé de la part de Bulldog. Qui est somptueux, ah c'est dommage. On met un disable sur un autre avec l'ulti de Fekiman. Dans tous les cas, ça a été cancel hein, par Lille qui était là aussi dans les parages. Et le compte qui est mis en place de la part de VP, c'est complètement incroyable. L'ultra kill de la part de Illidan. Et ce team fight avec les Russes qui ne perdent pas un seul de leurs compatriotes. Incroyable performance. Et hey, FNJ te plie la fight à lui tout seul. Déjà, leur engage sur le Void est très bien. Et ensuite, Bulldog, moi j'étais là, j'attendais que Bulldog RP. Bulldog avait une position parfaite, il attendait que VP arrive pour commit. Et qui c'est qui passe par là? C'est FNJ qui voit Bulldog et qui lui met un clic droit de Bane. En mode non, tu blinks pas. Non, tu blinks pas, et du coup, Bulldog est forcé de rentrer dans le fight en skewer. On a eu le temps de se split un peu, de limiter les dégâts, et magnifique, magnifique reprise du fight de la part de VP qui renvoie un draft de full team fight à la maison. Ah, c'est ça. Ont tout leur spell. C'est ça, parce que là, ils ont tout mis, hein. Ils vont être entre les cooldowns. Hein. Black Hole Enigma, 190 secondes. Il va falloir que Fakimad soit passionné. C'est drôle, il a monté le Black Hole. C'est-à-dire, il a fait les Arcane Boost, donc ça prend du sens. Et mais maintenant, mais... il a dû se payer trop d'intel là-dessus. Hein. Ah ouais. Puis c'est un accès direct à Roshan vu qu'ils sont d'ailleurs. Ils vont le faire très facilement. Hein. Si Lil a envie, il se met juste à ce niveau-là. Il peut mettre une fissure en travers. Il va venir lockdown Roshan. Il y a le SF qui apporte le debuff armure. Par contre, le SF n'est pas dans les parages. Il aiderait beaucoup hein, cette prise de Roshan. Il y a les dommages purs hein, de Illidan qui font le café. Il va prendre un peu de temps ce Roshan. Mais il est relativement safe en termes de PV. Voilà, le SF arrive, ça va accélérer. Et on va voir la dagger centaure. Hein. Plus 1000 gold, quoi. Plus quasiment le BKBSF. Ah, il avait pas le deuxième composant, d'accord. Donc, ouais. Et Loda, il va travailler sur le BKB hein, directement après son achat de Maelstrom. Il y a un TP très offensif d'ailleurs de la part de Illidan. Il va mettre la chrono, il va retrouver un proc bash dès le début. Qui va mettre son ulti, Illidan, j'ai l'impression, va tomber. Il y a le Power Ranger qui arrive là. Ouais. Est-ce qu'on peut essayer de récupérer l'Oda avec le stun de Phobos qui va se poser? Et le petit Ben qui, une fois de plus, excellent. Ouais, t'arrêtes de backtrap, oui, c'est bon. Qu'il va être récupéré. Et pendant ce temps, la rune. Il y a God qui est un petit peu en train de YOLO, qui va perdre l'Aegis, j'ai pas l'impression. Oh, et Phobos qui a été mis en combat. Et pas la dagger dans tous les cas. Ok, donc bonne opération pour Alliance. Alors, malheureusement, ils perdent leur Void, mais ils récupèrent le Silencer et l'Aegis du SF. Ouais. Donc, on va dire que c'est rentable comme vous, ça, pour le coup. C'est pas si mal. Après, avec position 1 pour position 1, ils gagnent un Aegis bonus. C'est ça, ils n'ont pas utilisé le RP, ils avaient encore le Black Hole en cooldown. Ça a freiné peut-être les joueurs de VP à l'assaut de cette T1. Pas si mal que ça pour Alliance. Ils se laissent du temps. Est-ce qu'ils sont pas si derrière que ça, hein, surtout en termes de gold? Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est l'XP, et je vais venir dans une seconde, les golds ils sont que 2k gold derrière, donc c'est vraiment rien du tout. L'XP, honnêtement, pour un draft Enigma, il devrait pas être 5k XP derrière maintenant.
c'est qu'est-ce qui fait la différence à ce point-là? C'est la Queen. Ouais, le centaure, c'est la Queen qui fait tâche. Il y a 3 levels, ouais. Mais après, c'est le fait d'avoir mis une Queen of Pain en hard lane. Enfin, c'est tellement pas safe comme décision de la part de Alliance. Ça peut passer. Maintenant, je vous parlais tout à l'heure de l'importance de cette Queen of Pain à rentrer dans le mid-game et d'être à peu près bien. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. Elle est mal, cette Queen. Hein. Elle a 850 HP à 18 minutes de jeu. Ah, ils ont tenté un setup de lane où ils se sont dit on va mettre 4 mecs bien dans la game. Ouais. On a pas... Parce que... Si t'envoies le Magnus en offlane, je pense que le mec il est level 1 tout le long à cause du Silencer. Donc il voit vraiment rien, la cop elle a pu XP. C'était. Ouais. C'était tendu comme décision. Maintenant, le setup de lane aurait été complètement différent de la part de VP si on avait envoyé ce Magnus au top. Peut-être que le Bane serait resté au top et l'Airshaker serait resté au mid. Mm-hmm. Et on aurait donné moins d'XP et de gold à Dekaphobos. On refait pas une game, hein, vous allez me dire. Ah, clairement. Mais ouais, mais avec un draft Enigma, c'est un peu la crise qui soit autant derrière. Ouais. Bon, le plan, c'est qu'ils avaient de l'avance au niveau des objectifs. Hein. On vient de récupérer la deuxième tour du côté VP, il y en avait déjà deux de prises pour Alliance, et la troisième va partir au deny maintenant ou à l'Aidelon, en fonction de la guerre, juste au deny. Oui, Silencer. Ils sont 4 au top, ils ont encore le RP de Bulldog, envie de l'utiliser. On va taper de l'Oda au bot pour aller chercher un peu de farm, il tient là au bout de la map, il faut pas hésiter. Et maintenant il y a l'Empower qui va l'aider à accélérer son farm. Ah la smoke, regarde la smoke de VP. Il cherche du kill. Oh, et ils vont aller chercher l'Oda. Ouais. Est-ce que l'Oda s'en doute? Non, la question est-ce qu'il va rester. Ah, il hésite hein, l'Oda, il a envie de farmer. Hein. En plus c'est la nuit. Et c'est FNG qui fait la frontline sur ce gank, on voit les petits aidelons de dindons. Ils sont marrants quand même ces aidelons, je trouve qu'ils se déplacent comme ça là. Ah, on dirait des méduses. Je sais pas. On dirait des spermatozoïdes, je sais pas, c'est un... Moi je vois des méduses, lui il voit des spermatozoïdes là. Ouais, c'est... Ça manque d'ovules tout ça. Bon, trêve d'or sujet. On a une Ace qui est sur Fakimat qui va pas tarder à avoir BKB. Bah, il fait BKB quand même. Ouais, alors il va vraiment s'amuser à Black Hole le Silencer. Le problème c'est le Bane aussi. Quoi. Ouais, il faut. Limite, il faut activer le BKB après l'ulti Silencer. Mais comme t'as dit, ben voilà, il y a le Bane de FNG qui va pas se laisser avoir. Puis il y a du monde, je veux dire, pour stabiliser un peu comme à la game précédente le teamfight de VP pour bien attendre les cooldowns. Hein. Les gens qui sont très tanky. On a Avant-Guard hein, qui est arrivé sur Phobos. De toute façon, la T2 au top. Oh, on a vu. On a vu Phobos arriver là, donc je pense pas. Peut-être qu'on doit abandonner un mec là-dessus qui va mourir, mais... Faudrait pas abandonner Bulldog. Ça va se passer. Et l'Oda montre une en bas. Petit avantage Alliance là-dessus, qui gère un peu mieux ses mouvements. L'Oda va avoir BKB. Alors à quoi ça va servir d'avoir BKB sur l'Oda? Clairement. C'est que, en gros, le Silencer dans cette game-là, il a deux choix. C'est soit VP s'amuse à all-in le Void au début d'un fight en mettant Global Silence plus Fiend Grip sur le Void, et tu massacres le Void, tu le tues, et ses potes peuvent rien faire en attendant parce qu'ils sont Global Silence. Et c'est ce qu'on a vu faire top, c'est ce qui marche encore très bien. Oh, par contre, donc c'est parti sur Bulldog, on arrive à la fin, j'arrive pour ma part juste à la fin du kill pour le voir dessiner. Et la deuxième solution du Silencer, c'est d'attendre que la fight parte et de se dire je cancel le Black Hole ou j'empêche le follow-up du RP, etc. Et c'est là que le BKB de l'Oda a beaucoup d'importance parce qu'il va empêcher ça. En parlant de l'Oda, rela même en bas, mon dieu, mais la réaction de Lille à chaque fois, elle est impeccable. C'est pas le SF qui TP avec son mecha là qui est... Ah, c'est Phobos qui est là, il a envie de mettre un stun, il va aller récupérer l'Oda. L'Oda est mort, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut récupérer plus avec Phobos qui se met à la charge sur Ake? On a un backup qui est arrivé de la part de Pashkat. Pashkat t'inquiète pas du tout, Phobos, il en a rien à foutre, il sait qu'il est level 9 avec sa Queen. Il y a autant d'XP que ce Scarlet Mage. Mais qu'est-ce que tu penses si le Silencer va faire Refresher? Est-ce qu'à ce moment-là, Illidan n'a pas juste toutes les réponses aux questions que pouvait se poser Alliance à travers ouais. J'active la BKB ou non? C'est ce qu'il est en train de faire. Pour moi, s'il fait Refresher, il peut plus perdre les teamfights. Il va pas faire Lincoln, il va faire Refresher. Il a largement la mana pool pour mettre les deux ultis avec le Refresher. T'es un poil plus triste de faire Refresher maintenant sur Silek avec le Refresher d'avant qui donnait de l'attaque et de l'intel, t'étais bien content. Comme maintenant ça va être que des dommages avec du sustain. Bon, il va avoir 20 dommages. Non, c'est combien Refresher? C'est pas 20. T'as combien? Un pas! Ah si, t'as 20 dommages. Ouais, 10 HP. Oui, t'as les dégâts.
Mais sinon, c'est de la régène. Ouais, c'était okay, mieux. On va tenter le Fiendry plus Global Sense sur page 4. Tu sens la mécanique de Fucking Mad avec l'outil du centaure. Ouais. FNJ qui remet un slip. Bulldog va même pas mettre le RP pour aller prendre un solo kill, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah, ils trouvent leur pick-up VP parce qu'en face c'est un gros draft de teamfight, donc les héros isolés sont forcément un peu moins forts. Ça coûte un gros cooldown, là ça coûte le global qui est quand même encore 130 secondes de cooldown. Ah mais ils ont le control map. Hein. VP, oui complètement. Ouais. Ça push en bas, ça push au mid, ils savent exactement où sont les joueurs de l'Alliance. Maintenant ils ont juste qu'à les dodge hein, jusqu'à l'acquisition du double ulti silencer et ça va pas tarder. On met une bonne pression top là, on sait que c'est Warden. Allez, sur le RP. Allez. Ok. On a raté le contre en plus de la part de Phobos, il va BKP, il est faut le tuer, de loin hein. Pas encore mort. Oh, faut le tuer ce SF. Oh la vache, c'est mou. Oh, c'est mou avec God qui ose pas mettre son ulti. Il a pas envie de prendre le Black Hole de la part de Fucking Mad avec l'Echo Snap qui va être joué de la part de Lille pour faire un petit peu de dommage. L'ulti du SF qui va permettre de slow un petit peu Fucking Mad. Le slow passe par-dessus la BKP. Oui, mes amis, le SF qui va tomber sur un rien, sur un poil, hein, sur un poil de pixel avec Ake qui va pas se faire récupérer. Le Black Hole de Fucking Mad qui est somptueux derrière l'ulti de la Cool Open. Le problème, c'est que Pashkat il a passé, dommage derrière. Il va se faire récupérer avec son Enigma. On a un Fesslazer qui rentre à 10 HP à la maison. Bulldog qui va devoir TP out. Bah, il était dur à tuer ce SF. Hein. Oh ouais. Tout ce qu'ils ont commis pour essayer de le tuer. Oh, quoi. Il était dur à tuer. Hein. Oh ouais. Mais là tu vois que quand t'as un Void, enfin, Void ça a besoin d'être devant pour faire des dégâts. Quoi. C'est... Ouais. Tu fais BKB en deuxième item, tu dis comme une moule anémique. Et c'est pas Madness qui aurait fait la différence hein, sur ce fight. Ouais. Il y a pas qui va courir sur Lidan, mais Lidan qui veut lui dire non mec, tu es... Oh, il est isolé, Lidan, hein. Il y a le centaure. Ouais. Oh, Bulldog, oh, il prend de sacrée tartine, hein. Et on est sur le réfraîcheur de Lidan. Est-ce que ça sent pas le roussi pour l'équipe suédoise plus un français? Yep, j'ai bien l'impression. Ils sont bons VP, hein, c'est incroyable. La marge de progression qu'ils ont eue sur cette année 2015... Je pense que c'est l'une des équipes qui ressort le mieux. Ou du moins qu'elle fait le plus de boulot en termes de progression. Oui, et puis surtout un peu de nulle part quand même. Ouais. Et je pense que tu faisais un sondage en disant quelle équipe vous pensez qui sera très bonne à l'arrivée des internationales. Honnêtement, à part un certain Victor Jolivet, personne n'aurait dit VP. Hein. En même temps, tous les ans, ils disaient que VP ils étaient bons. Oui, et puis jusqu'à maintenant, ils ont toujours fait 15e pour tourner à 15. Et, Il y a deux autres équipes aussi qui m'ont bien impressionné, mais on va dire, c'est peut-être... Eux aussi venaient de nulle part, c'est Vega Squadron et Loaddown Conspiracy. Bon, on verra ce que ça donne à Asie International. Hein. Ça, c'est le one. Il est en opposition, God, il traîne un peu. Il n'ose pas... Tu vois aussi que Bulldog, il n'est pas en confiance avec son Magnus. Hein. Il s'est pas lancé. Tu sais, il n'a pas la gnaque qu'aurait un autre Magnus avec... beaucoup plus de confiance en soi, qui irait débloquer des kills à base de skewer, il y tente pas forcément et ben ça se sent. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. D'accord, mais c'est... Tant qu'on a le feeling de ces drafts quasiment full teamfight qu'on a côté Alliance, c'est que... Enfin... T'as beau être la meilleure équipe au monde, quand t'as Black Hole plus Chrono plus RP, enfin t'es au courant que c'est des sortes teamfight, t'as juste envie de teamfight et du coup t'as peur. Donc tu teamfight pas et t'as envie de prendre du 5v5. Oh god. Et là on va engager. Oh god. Oh, le langage de Phobos, elle est magnifique. L'oser l'énigme, mais il est pas mort cet Enigma pour moi. Mais on a fait une grip Loda. Oh, c'est horrible ce qu'ils sont en train de prendre les joueurs de Alliance. C'est monstrueux le teamfight qui est mis en place. Et Loda, il a proc, il a encore proc. Hein. Non, cette fois-ci il ne procera pas. Mais là on a quand même tout lâché pour tuer Loda. Alors ok, il est mort et on va pouvoir probablement prendre Rush là-dessus. Mais il y a encore RP, il y a encore Black Hole, il y a encore Ulti Queen of Pain. Alors qu'en face, il n'y a plus d'Ulti Shaker, il n'y a plus de Global, il y a plus de Grip. Ulti SF et Megans. Non, il n'y a même pas le Megans. Il y a le Scarce Mage aussi qui vient juste de buyback. Pour espérer avoir un contest possible. Fait qu'il m'a dit, il n'a pas de dagger. Le RP qui va être tenté de la part de Bulldog, non, il n'a pas été mis. C'est dommage parce qu'il avait une bonne opportunité, Bulldog, de mettre un RP. En tout cas, on va tuer le Bane. Ouais, si God est toujours dans le pic, il hésite à sortir.
Alors, ils ont vu les HP de Roche là, ils savent qu'il faut prendre une décision maintenant. Soit vous y allez, soit vous vous barrez. Faut y aller, hein. Oh le RP qui est pas tenté de la part de Bulldog, qui va pas oser. Bulldog qui va venir pour tomber, c'est là, on pose le RP. Avec l'Aegis qui est pris de la part de SF, qui va tomber instantanément. Je dirais, faut qu'il mette pas de dommage sur son Black Hole et qui va finir par tomber. C'est dommage, cooldown qui est utilisé de cet énigme avec des RAK et qui va mourir. C'est un dieback. Pourquoi? Ah, Bulldog! J'ai pas compris pourquoi est-ce que les deux ils ont été courir dans le pit à l'aveuglette là. Plutôt que de choper les mecs à la sortie. Ils se mettent en opposition plus vite. Tu laisses le SF faire son rush, tu t'en fiches, tu tues sa team et ensuite il est tout seul, il a un Aegis, tu le tues une fois et tu pars. Pourquoi est-ce qu'ils ont été sabotés? Ça, j'ai vraiment du mal avec cette décision. Ils ont pas la vision, Alliance, on est d'accord. Au moment où les alliés du SF commencent à rentrer dans le pit et se mettent à côté de lui, à portée d'AOE. Au début, non, mais après, ils ont cette warp qu'ils ont posée un peu pendant le fight, qui est d'ailleurs révélée par des sentries, là. Et ils ont posé là, donc ils ont l'information à la fin. Mais bon, c'est pas encore tout à fait fini pour Alliance, hein. On garde espoir, bien sûr, on est de tout cœur avec allez, chanson là, et puis avec les autres. Et là, ça semble difficile pour nos amis suédo-franco. Et malgré le BO3, malgré les deux balles de match, c'est élimination directe, hein, je vous rappelle. Si Virtus Pro, venait à remporter cette partie, c'est la fin de Alliance pour cette ESL One. Hein. Pas de lower bracket possible, ça sera 7ème, 8ème place à égalité. Même je dirais 5ème, 6ème, vu que c'est des quarts de finale. Bulldog qui va mettre un skewer avec derrière God qui va prendre le all-in. L'ulti du silencer qui empêche de poser des dommages, quoi qu'il en soit, le chronosphère prend beaucoup de ses alliés derrière l'ulti du SF qui va poser. Et là, je pense que c'est un massacre qu'en train de jouer de la part de VP avec Loda qui va se faire retourner. Loda qui va se faire récupérer God qui ne tombe même pas grâce à la Crimson Guard de Phobos et le backup de ses alliés. Il y a toujours un ulti silencer qui est disponible qui va arriver dans 10 secondes. Le Black Hole qui n'est pas posable de la part de Fekimad parce que cooldown, il va prendre une fissure. C'est un peu le même scénario que tout à l'heure. Ah ouais. Hein. Sur cette montée de high ground, le SF il a juste. Il est trop massif. Ouais, c'est ça. Il a trop. Et ça joue bien derrière, ça le couvre bien. Ouais. FNG a toujours des ultis impeccables sur le void. Il est toujours au taquet. Le global pour couvrir tout ça. Et encore un global à dispo. Ah, il faut avoir la hargne. Sur le centaure. Il l'a pas sur lui, mais il l'a acheté. Il se fait one shot quasiment un Aghanim, hein, pour vous dire à quel point Virtus Pro est bien dans cette partie avec des Haki qui va se faire one shot. On a quand même tombé le SF, l'ulti du silencer qui a été refresh. Qui va pas servir à grand chose finalement. Ouais, pas très patient là-dessus, Illidan. On n'a pas pu sauver son SF. Attention au TP de Bulldog avec le RP. Bulldog, est-ce que tu peux nous mettre un RP? Attends, il avait perdu les Aegis, Scott? Quelque part? Ouais, il avait perdu dans le pit. Le skewer qui va être joué sur FNG. Pas si mal que ça, ce skewer. Il va permettre de récupérer le Bane. Loda, il a pas la chronosphère encore 30 bonnes secondes devant lui. Et on va battre côté VP. Mais bon, le trou est fait. Que ce soit dans la base, moi, il avait que ce soit perdu dans les graphes. Ouais, complètement. Là, il va y avoir beaucoup de gros items qui vont sortir sur une bonne partie des héros de VP. On voit la gare du Centaure, un Ghost Scepter sur leur shaker. Le Bane a fini son BKB. Le Silencer peut armer un nouvel item de son choix. Et le SF est aux portes d'un butter. Non, ce sera du lifesteal pour lui. Donc même ordre de build que tout à l'heure. Il fait du lifesteal entre deux pour le sustain. Qu'est-ce qu'on sort côté Alliance? Un petit madness sur le void. Ils sont qui manquent vraiment de deal. Et c'est un bon item pour augmenter son deal de manière rapide. On n'a rien de nouveau à part ça. Le ult de la Queen of Pain. Ok, ça va lui permettre de s'enlever ce Global Silence. Malheureusement, il y en a deux. Compliqué. Révélateur de smoke depuis 35 ans, la réponse est oui! Par contre, il va se faire ult de la part de Patch 4. Il peut se force staff out, il va se force staff. Bien joué à Lille, qui a révélé complètement le gank de VP. Attention, SF. Oh god! Il va prendre la chrono. Est-ce que cette fois-ci on peut le tuer? Ah, mais il n'y a pas de dommage. Il n'y a juste pas de dommage. Oh, le RP de Bulldog! Le RP de Bulldog a été mis, mais cette fois-ci, il est magnifique, mes amis. Avec quand même enfin qui bat Capabis avec ses effets cancel. C'est mal. Avec derrière l'Ecoslam qui est littéralement un ravage dans le teamfight de Alliance. Ah, c'est terrible. Sébastien, t'as oublié d'appuyer sur un bouton, Sébastien. Aïe. Bon, je pense que même s'ils passent le Black Hole BKB, je pense qu'ils se font retourner quand même avec. Tu penses qu'ils ont pas les dommages dans le Black Hole de l'Enigma? De toute manière, Lille fait triple kill après. Ça, tu peux pas empêcher ça. Ouais, avec même si ses mates meurent, Lille fait triple kill après. J'ai pas vu, il a fait combien de dommages avec son.
trop. Il peut être récap encore. Beaucoup trop. Il n'y a pas encore le récap, je crois. Si, il a pop. Ouais, mec, il a fait 2500 dégâts, mais please. Il a eu le temps de mettre deux fissures. Ouais. Ah, c'est le mental. Là, on s'attaque ouais. À une phase de jeu où le mental commence à te punir. Hein. Ah, complètement. Aïe, 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 aïe. Ils sont désarmés, là. Hein. Ils travaillent entre les cooldowns. 30 secondes pour le RP. Une bonne minute, je pense, encore pour le Black Hole. Quasiment deux mêmes. Il n'y a pas de SF, donc on peut pas directement enchaîner sur cette T2 en bas. Faut attendre que God revienne, qu'il se fasse un peu de soul au passage, parce qu'il n'y en a plus que 11, là. Je crois qu'on va perdre page 4. Oh, oh. Phobos il avait Phobos, il en a rien à foutre. Il a mis l'ulti avec derrière la Ganym. Enfin, il slack dans un minute plus. C'était à Phobos, il va tenter TP up. Non, ça passe pas, c'est pas possible. Ça ne passe pas, ça passe, c'est complètement ridicule. Il a quand même le 2 de la Queen of Pain avec derrière la Chronosphère qui permet d'en prendre 2 FNG avec son Bane qui va finir par tomber. L'overcommit de la part de Virtus Pro qui, pour l'instant, ne paie pas. Le Centaur, bien évidemment, il est sorti d'affaire. Son TP a pu le sauver. Il avait d'ailleurs TP, j'ai l'impression, à T2 au mid. Et le DD ouais. de God qui va pas lui permettre de teamfight. Et attention au pick-up, attention au pick-up, attention à l'excès de confiance, mes amis russes. Le Bane, il a mis son... Ok, c'est lui qui finit la Queen of Pain. Je l'ai vu caster son ulti, j'ai pas réussi à voir sur qui il allait lancer. Il a dû last hit la Queen of Pain avec, je pense, en fait. Il a eu trop peur qu'elle s'en sorte. Bon, on va laisser une petite minute de répit aux Suédois et aux Français. Ouais, le CNSA qui a jamais eu l'occasion de lâcher son deuxième ulti aussi. Il a activé le refresher, mais il s'est fait bash. Du coup, son refresher est en train de sur. Donc ça va, c'est pas trop grave. Son temps de mort est rentabilisé sur un item, on va dire. Sacrément brouillé quand même ce que vient de faire Phobos. Il s'est dit non, je tue la Queen of Pain. Non, non, je tue la Queen of Pain. Non, non, j'en ai rien à foutre. Je mets tout. Je vais à la fontaine. Tu sens quand même que ça reste des Russes. Hein. On peut pas s'en empêcher, c'est dans leur nature. Là, le problème auquel Alliance fait face. C'est quelque chose qu'on je trouve dont on parle vraiment pas assez souvent. Mm-hmm. C'est les méga creeps, c'est un momentum de ligne. Ça, il n'y a pas de problème. C'est, les mecs sont légèrement étouffés dans leur base parce que c'est beaucoup plus dur de remonter les... Ça, c'est vrai. Mais tu te dis, ils peuvent tenir 30 minutes et puis avoir plein d'items puis après gagner tous les teamfights à grand coup de BKB, Locusor, Blinken, j'en passe, c'est les meilleurs. Oui, c'est vrai. Sauf que la chose dont on parle pas assez, c'est que les super creeps, donc les creeps que vous obtenez une fois que vous avez cassé les baraques, ils donnent... C'est 30% de gold et 30% d'XP de la valeur originale d'un creep. Donc, même si Alliance peut farmer pendant 30 minutes, ils farmeront de toute manière toujours moins que VP, et ils auront de toute manière toujours moins d'XP que VP. Donc, la prise d'insight, c'est un délire de momentum, mais c'est aussi un énorme coût économique dans une équipe. Après, c'est des creeps que toi tu y accèdes, que l'adversaire n'y accède pas forcément, vu que mais ça va tout le temps push en faveur de Virtus Pro. Ces creeps qui certes valent moins cher pour Alliance, nous sont complètement inaccessibles de la part de VP s'ils vont pas farmer dans la jungle, ils vont pas pouvoir se créer l'argent. Et c'est pour ça qu'en revanche, t'as double bois, double ancien ça, à dispo en attendant un peu de choses. Et du coup, tu contrebalances avec ça et tu XP plus, et surtout l'XP en fait qui fait mal. Parce que certes, tu les récupères gratos, ces creeps, mais t'es souvent plusieurs sur une balle de creeps pour des creeps qui valent que 30% d'XP, donc c'est-à-dire que tu XP plus des masses quand t'as perdu deux sides. Allez, on va aller après. Oh, il a raté les deux. Il n'a pris qu'un là-dessus, c'était une tentative. Par contre, la chrono est assez jolie derrière, on n'a pas le SF dedans qui va pouvoir lâcher son ulti. Et mais il arrive vraiment juste à tuer personne, là, il va devoir se barrer. Le Black Hole, en plus de ça, a été instantanément cancel. Non, Alliance est sur le breakdown, ils donnent le GG là derrière. Ils ont tenté le fight de l'honneur, comme on l'appelle. On leur emballe, il s'est jamais passé ce fight. Et tristement, Alliance qui va être la première équipe à sortir de la compétition dans cette ISL 1. On sentait Virtus Pro au-dessus, ça a été confirmé là-dessus. Ils vont passer au round 2 et attendre leurs adversaires. Ah, c'est malheureux, c'est malheureux. C'est malheureux de la part de Chonchon et de son équipe. Qui vont donc se retrouver sur l'élimination directe. Et les Russes qui avaient bien choisi, qui avaient bien fait de choisir Alliance... qui ont pas, réellement n'ont pas été inquiétés, hein, qui ont on a quand même senti au-dessus sur ces deux parties, notamment sur la dernière qui a surtout été une guerre de mental dans l'ensemble, j'ai bien l'impression.
par les joueurs qui vont les saluer. Les gagnants vont venir saluer les perdants. De manière sport. Ah, et Chonchon, il fait la gueule, hein. Il fait la gueule et c'est pas étonnant. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est triste. Est-ce que c'était le dernier tournoi pour Alliance, hein, sur cette fin de saison? Ouais. Est-ce que ça nous annonce pas de mauvais présages pour notre français au sein de la structure suédoise? Il faut voir les volontés d'Alliance. C'est quand même. Moi, je pense qu'il y a un truc moralement pour l'ODA qui est en train de se créer qui est terriblement difficile. C'est que l'ODA va pas être au TI. Et à mon avis, pour lui, c'est super dur. Et pour Raquet, la même chose. Parce que Bulldog, il faut pas oublier que c'est quelqu'un qui est arrivé assez tard sur la scène de Dota. Il a été révélé par Navi. Il a été pris en standing chez Navi pour jouer Lone Druid. True story, hein, il a joué que Lone Druid. Et Haki et Loda, c'est quand même c'est les pionniers de cette scène. Je pense que pas être au TI, rater l'accès à un TI, pour eux, c'est dur. Moi, je serais pas vraiment étonné que ce soit deux mecs qui décident de mettre fin à leur carrière. Non, je pense pas, mais qui décident de prendre du recul sur le Dota compétitif. Et je trouverais ça terriblement triste, mais je sais pas, je le sens arriver.